se passe? Pourquoi mes coraux sont tout décolorés? Ils sont tout abîmés. Comment vais-je faire pour me nourrir et vivre dans cet endroit maintenant que je n'ai plus d'habitat? Oh, je ne vous avais pas vu. Approchez, approchez, venez donc m'aider à comprendre ce qui se passe. Salut bonhomme, c'est vrai que tes coraux sont un peu palots, mais ne t'inquiète pas, je vais t'aider. Et pour cela, je vais faire appel à des scientifiques. Pouvez-vous tout d'abord nous présenter comment un corail en bonne santé fonctionne-t-il? Oui, bien sûr. Nous savons que les coraux vivent en bande sous forme de récifs coralliens dans des eaux peu profondes, avoisinant les 25 degrés. Le corail est un ensemble de petits animaux appelés polypes qui vivent en symbiose avec une algue microscopique appelée zooxanthelle. La partie animale offre un habitat à la partie végétale qui, en retour, lui fournit les produits de la photosynthèse. À l'aide de cette énergie photosynthétique, le polype fabrique un squelette de carbonate de calcium qui n'est autre que la structure de base du corail. Merci beaucoup pour cette explication. Alors, est-ce que tu y vois un peu plus clair? Oui, j'ai compris. Mais alors dis-moi, comment mes coraux se sont-ils retrouvés dans cet état? Nous y arriverons, nous y arriverons. Maintenant que nous connaissons la composition d'un corail en bonne santé, nous pouvons étudier les causes de sa destruction. En effet, la principale cause de la destruction des récifs coralliens, c'est l'acidification des océans. Depuis l'ère industrielle, la quantité de CO2 atmosphérique ne cesse d'augmenter. Les océans sont des puits de carbone dans le cycle du carbone. Et de ce fait, ils absorbent de plus en plus de CO2. Ici, on peut voir que le CO2 atmosphérique réagit avec les molécules d'eau présentes dans l'océan pour donner l'acide carbonique. Jusque-là, tout va bien. Mais l'acide carbonique se sépare de ces deux ions H+, qui réagissent ensuite avec les molécules d'eau pour donner les ions oxonium H3O+. Il faut savoir que dans une solution, plus il y a d'ions oxonium H3O+, plus le pH diminue et donc plus cette solution s'acidifie. C'est ce qui arrive à nos océans. Je vous propose une expérience pour illustrer ce phénomène. Les ions oxonium sont assez connus pour dissoudre les matières calcaires. Ici, nous disposons d'un bout de calcaire qui représente le squelette carboné de nos chers coraux et d'une solution d'acide chlorhydrique qui représente ici l'eau, bien que cette solution soit nettement plus acide que l'eau. Mais il s'agit ici de montrer ce phénomène en accéléré. Nous voyons très rapidement que le calcaire se dissout au contact de la solution. Ça paraît évident maintenant que vous le dites. Je suis sûr que vous avez grandement aidé notre ami, n'est-ce pas? Oui, j'ai bien compris. Mais dites-moi, vous ne me mèneriez pas en bateau, cher journaliste? D'après ce que j'ai compris, c'est l'homme qui est à l'origine de mes tracas. Qu'est-ce que vous proposez comme solution? Eh oui, je sais. À cause de l'homme, des milliers d'animaux marins comme toi perdent leur habitat, leur nourriture, et cela impacte directement la chaîne alimentaire. Mais ce que trop peu de personnes savent, c'est que la disparition des coraux a également une répercussion directe sur l'homme. En effet, ils protègent les côtes de la houle et sont utiles à la création des prothèses médicales. Mais, malgré le fait que déjà 20% des coraux aient disparu, il reste encore un espoir pour éviter leur extinction. Chaque humain devrait réduire son empreinte carbone et les États et les entreprises devraient respecter les politiques de protection de l'environnement marin. Tu vois, il y a quand même des progrès possibles, mais la route est encore longue. Allez, perds pas espoir, bonhomme. Je compte sur vous pour prendre de plus en plus de mesures. Allez, moi je prends le cap vers le nord. Il fait moins chaud là-bas.